Eh bien salut à vous les amis, c'est Desan en mode sombre voleur devant un petit garde. Voilà, bon, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 5 déjà, et puis bon, on continue l'aventure. Bon, ça fait quelques temps que j'ai pas joué déjà, excusez-moi. Ah, un grand pardon de ma part concernant le retard, hein, oui. Nous sommes mardi et malheureusement l'épisode sort aujourd'hui, oui. J'ai pas réussi à tourner l'épisode dimanche soir, donc du coup bah j'ai un petit jour de décalage, mais pas de soucis les amis, il sort donc. Là, aujourd'hui, mardi, et donc vendredi, vous aurez le deuxième épisode de la semaine. Ne vous inquiétez pas. Allez, donc, comme j'avais dit dans l'épisode 4, on se retrouve aujourd'hui au quai de Bowerstone, tout simplement pour aller faire des petits combats de boxe. Par contre, je vois qu'ils ne sont... Ah, si, ils sont là. Voilà, donc petit combat de boxe, en fait, c'est un mini-jeu que vous allez retrouver dans le jeu, qui vous permettent d'avancer, et chaque ville en fait, vous devez être champion de chaque ville, et donc c'est un petit peu des combats, on va dire, clandestins. Allez, on va aller voir le petit chef de ce clan, et on va aller discuter avec lui. C'est parti les amis. Bienvenue au gang du point de fer. Salut. C'est pour les gens qui aiment bien se battre entre eux. Ouais, c'est pour moi ça. C'est un endroit où nous nous perfectionnons au corps à corps. Ok. C'est aussi très marrant. Ah bah c'est tant mieux, c'est bien quand c'est marrant. Je suis le chef de ce gang du point de fer. Ouais. Belle articulation, bienvenue au club. Ça me permettrez-vous de vous coller mon poing sur la figure? Mais je fais moi que je vais te péter ta gueule, non mais oh, espèce de fou va. Si vous voulez participer à toute cette violence, ce sera 50 pièces. Pas de problème, 50 pièces. Pour chaque round remporté, plus un bonus si vous n'êtes pas touché. Restez dans le ring. Si vous prenez trop de coups, c'est perdu. Donc je crois qu'en fait, il faut tout simplement... Bien sûr que je vais prouver mon courage. Vous êtes peut-être un héros puissant, mais il s'agit d'adresse. Nos coups ne feront pas très mal, mais le but est de toucher. Ça marche. Donc en fait, il faut tout simplement survivre, on va dire, et essayer de pas se faire toucher. Vous avez 3 personnes à battre, je crois. Donc je suis un petit peu gringalé au début quand même. Hein. J'ai des bons points, mais je suis un peu gringalé. C'est vrai que j'ai des grandes mains. Je trouve que les personnages ont des grandes mains dans le jeu. Allez, c'est parti. Ah bah voilà, déjà j'aurai pas le bonus. Faut pas hésiter à faire des petites roulades. Allez, dans le dos, dans le dos. Et voilà, nickel. Bon, je l'ai eu mais malheureusement j'ai pas eu la personne sans me faire toucher. On va essayer cette fois-ci de pas se faire toucher parce que là on est chaud. On est bouillant, allez viens mon cher ami. Moi je suis Bruce Lee moi. Faut pas sortir du ring non plus hein. Moupa ! Allez, sors du ring enfoiré. Voilà, il est sorti du ring. Goodbye. Là j'ai réussi à pas me faire toucher. Donc du coup j'aurais peut-être un petit bonus de pièces d'or. Ouais, arrêtez de crier comme des abrutis là. Toi je vais te mettre ta part aussi. Allez viens. Ouais, bien joué. Oh merde, j'ai loupé. J'ai loupé ma botte. Tu restes à terre, oui. Voilà, il est sorti les amis hein. Ah, c'est quoi cette arnaque à deux boules? Cognez-le donc. Allez! Cognez-le donc. Voilà! Putain! Oh, j'ai perdu, c'est dommage! Je vais m'occuper de vous. Ou pas? C'est moi qui te pétais ta gueule, tu vas voir. Fais pas le malin avec moi, petit con. Esquive! Esquive! Oh, enfoiré! Pourquoi on se retourne comme ça aussi vite? Alors, bien. Esquive! Allez, mettez le KO! Retournez dans le ring. Ouais, et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens! Allez, viens! Je suis pas le voleur du mal pour rien, petit con! Tiens! Retournez dans le ring. Vous voulez mettre un petit chassé, vous avez vu? Allez, viens là! Je te pète ta gueule, moi. Tiens, un petit con, va. Mais, hein? C'est quoi ce truc de tafiole? Oh! Ce que je lui ai mis! Vous avez vu la petite esquive? Le gros bug du jeu. Vous avez un sacré coup de poing. Ouais, je sais, je sais. Il m'a touché une fois, quand même. Mais bon, j'ai pu récupérer. Donc, gant de point de fer, niveau 1, réussi. Youpi, et j'ai gagné 300 pièces d'or, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, on va se réhabiller, hein, parce que là, ils sont bien mignons, les amis, mais... Je vais pas finir à poil moi, donc vêtements. Merde. Merde. Tenue. Tenue de cuir noir. Portée. Allez, c'est parti. Donc là c'est cool, 1600 pièces d'or les amis quand même, c'est déjà pas mal. Elle, faut que je trouve des champignons, toujours la même chose. Hein.
Et l'autre, pour l'instant, je vais pas le faire parce que ça me fait un petit peu chier. J'avais récupéré, je crois, des comment? Un tatouage que j'avais récupéré à la guilde, si vous vous souvenez bien. Moi, bon, en tout cas, je m'en souviens. Donc, on ira voir le tatoueur au lever du jour. On va aller juste faire un petit dodo à l'auberge. 35 pièces d'or, ça coûte cher. Hein. Celle-ci, je crois que c'est une des plus chères, Bowerstone, si je vous dis pas de bêtises. Tac, voilà. Donc là, il fait jour, génial. Donc, les étals vont ouvrir. Et on va aller voir le barbier. Non, même pas le barbier, c'est le tatoueur que je voulais voir. Je sais pas si c'est pas cette maison là. Non. Parce que là c'est le barbier. En face c'est l'auberge. Ah peut-être là-bas, je voyais qu'il y a un truc. Ah non, bleu c'était le... Il y a peut-être pas de barbier ici, écoutez. Peut-être pas de tatoueur, je veux dire. On va voir si eux ils font peut-être les tatouages, les barbiers. Allez savoir. Non. Donc il n'y a pas de tatoueur ici. On parle de disparition à la ferme au verger. C'est bizarre. Allez, on va partir à guild parce que je ne sais plus en fait les quêtes que j'avais. Ou en tout cas je m'en rappelle pas. Ferme au verger, retourne, on a déjà fait. On va retourner à la guilde des héros pour voir ce qu'on peut récupérer et aussi augmenter un petit peu notre héros, hein, parce qu'il va bien falloir un petit peu. Alors je ne sais plus ce que j'avais. Allez à Darkwood, aidez les marchands. Ah oui c'est vrai, il faut que j'aille aider les marchands qui sont à Darkwood. Ça je m'en souviens et je me rappelle de cette quête. Par contre avant de la faire on va se doper un petit peu. Déjà en pas en force, choisi la force, mais en santé. Santé parce que augmente la quantité de dégâts que vous pouvez subir. Pas beaucoup de santé en fait. Par contre on va aller augmenter notre précision. Notre vitesse on peut plus. Mais la précision, définit la précision de votre fusée en combat à distance et donc la qualité des dégâts que vous pouvez infliger. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ou la ruse, mais bon la ruse pour l'instant on s'en tape les cacouettes. Voilà, ça c'est fait. Et on va peut-être augmenter un petit peu notre physique. Vous maniez votre arme et donc la quantité de dégâts que vous pouvez infliger. Donc en outre, plus vous êtes fort, plus vous êtes facile, plus il vous est facile d'utiliser les armes lourdes. Le physique vous permet de porter des armes plus lourdes et de causer plus de dégâts en mêlée. Dégâts, en fait, votre armure naturelle. Donc c'est mieux d'avoir plus de santé, je trouve. Acheter. Voilà, on va prendre pas mal de santé. Ça sera un petit peu plus facile pour notre quête parce que je vous avoue que celle-là, je m'en souviens, elle est pas super facile. Voilà, donc là il faut qu'on aille direction Darkwood les amis. Let's go. Et vous allez voir un petit peu ce que c'est que cette histoire de Darkwood et de marchand. Parce que bah on sait pas trop hein. Moi je m'en rappelle mais pour l'instant on va pas faire le fifou. Je vous avoue que je vais pas aller me faire ça avec de l'esbrouf parce que c'est pas évident. On va juste aller voir le titre des héros hein, le vendeur de titres de héros, pour changer un petit peu ce truc pourri qu'on a. Alors chasse-poulet ça ira, face de cul encore moins, tartignol non merci, sabre non, capuche j'aime bien, c'est un petit peu le mec un peu méchant, maleficus pour l'instant j'ai pas l'argent pour m'appeler comme ça, enfin j'ai l'argent mais j'ai pas envie de mettre plein de thunes là dedans, on va nous appeler capuche parce que capuche j'aime bien, même si j'ai pas de capuche, mais bon on s'en fout, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a lui, une petite quête? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui c'est vrai, c'est celui qui veut qu'on récupère des trucs à la guilde. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller le faire les amis, il faut récupérer des champipis. C'est des champignons qui voulaient le gars. Vous voyez ma santé comment elle a augmenté, ouais. Quand même hein. Le mana on s'en tape parce que nous on est plus sur la vitesse et la précision de notre héros plutôt que le reste. Alors on va aller voir comme je vous disais pour récupérer les champipis. Les champipis, il nous a dit qu'ils étaient à côté de la porte démoniaque. La porte démoniaque qui est tout au bout de la guilde. Et on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Roulade. Bon, j'espère qu'en tout cas, les épisodes de Starbound vous font plaisir. Hein, que vous aimez bien. Parce que je peux te dire que vous allez en avoir. Vous allez en avoir même gratuitement. Parce que c'est comme ça. C'est pas autrement parce que je kiffe ce jeu et je prends vraiment énormément de plaisir à jouer à Starbound. Allez, on va aller chercher les champignons qui étaient au bout. Donc apparemment, qui sont à côté. Il m'a dit qu'il les avait laissés traîner à côté. Moi, je ne vois rien. De la grande porte qui parle. Ah, cherchez pas. À mon avis, il faut la canne à pêche. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Est-ce qu'on peut détruire ce truc-là? Même pas avec une épée. C'est pourri, hein. Bref. Ok, bah non, bah vous voyez, ils sont même pas là, le truc. Donc on va les grouiller le cul. Sortez de là. Pète à la gueule moi. Ah oui tu te sens mal. Ok, bah tu feras moi le malin après parce que les gens auront peur de moi. Et c'est ce qu'il faut. Il faut que les gens aient peur de moi.
C'est le but. Pour l'instant, ils se foutent un peu de ma gueule. Mais le jour où je vais leur sortir mon gros calibre, ils vont comprendre. Hein? Je parlais bien sûr de mon arbalète. Donc, ils vont se détendre. T'es un peu foncé, toi. Ah non, c'est bon. Ah, l'arbuste. Bon, on va enfin sortir, on va aller se faire cette petite mission de Darkwood. On est déjà à 10 minutes de vidéo, les amis, donc on se dépêche un petit peu, hein, parce que la demi-heure, ça passe vite. Allez, let's go. Je vous avoue que je sais même pas si on va réussir à finir dans l'épisode, parce que je sais que la quête de Darkwood n'est pas très très courte, sachant qu'il y a un petit peu de dialogue et il y a un petit boss à la fin, vous allez voir. Petit spoil de mes propres vidéos, oui, c'est la vie. Je suis un mec comme ça, moi. Je spoil même mes vidéos. Salut, mec. Hey, mec. Donc oui, j'ai pas trouvé vos trucs pour l'instant, hein. À mon avis, c'est ce qu'il y a dans l'eau. On n'a pas de canne à pêche, donc vous n'allez pas me péter les couilles. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'ai pas que ça à branler d'aller chercher vos champignons hallucinogènes, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de faire des dégâts à l'arc. Ça nous aidera un petit peu à gagner de l'expérience à l'arc. Oh putain, ouais, en effet, je suis assez puissant à l'arc. Hein. Regardez, bam. Le mec, je le bute. Vous avez vraiment l'air d'un gland. Bam. Mais ta gueule. Je suis l'air d'un gland, le mec, je viens de buter son. Je viens de t'aider, tu sais. Shift. Bon, on dirait bien. Le mec il m'a dit que j'ai l'air d'un gland quoi. Ah, il s'est fait gang. Un bandit qui s'est fait tuer par les. Le voilà mort. C'est bien fait. Capuche. Joli mot. Capuche. Ça va, il m'a appelé Capuche. Capuche. C'était prodigieux. Alors on récupère tout, il faut qu'on aille dans cette direction. Attendez, je regarde juste ce qu'il vend lui, ce petit ami. Restez là mon cher ami. Merci bien, c'est ce qui me va. Arme. On sait jamais, des fois on peut tomber sur des armes assez puissantes. Alors, katana d'acier, qui fait quand même 4 de plus de dégâts que mon truc, que mon... Grande épée d'acier, bon pour l'instant on n'a pas assez de force. Mais le fendoir moins 4, le katana plus 4, mais plus 4, y'a rien d'exceptionnel. Donc du coup on va pas le prendre. Par contre je veux bien récupérer ça. Petite potion en plus. Mais je sais, mais il faut que j'y aille mon cher ami. Donc faut que j'aille aider tes potes les marchands là. Donc je sais bien que c'est. Oh putain, il est pas mort. C'était la seule. Oh merde, c'est pas. Je voulais pas te tuer avec ça en fait. C'est pas grave. Allons-y. Allons-y gaiement. C'est parti. Lac de Great Wood. Alors là, je m'en souviens, il y a pas mal de zombies, je fais dire. Il y a pas mal de bandits. Alors là, je sais qu'il y a une clé. Ah oui, mais je me rappelle de tout. Pourtant, les amis, je peux vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Et pourtant, je m'en rappelle. Alors ici, ce pont-là, je... hors service. Alors je vous dis, j'ai jamais fini le premier du nom, hein, Fable. J'étais arrivé pas mal loin, mais je l'ai jamais fini. Donc ça se trouve, je ne sais pas en fait ce qui se passe ensuite. Allez, t'as pas le temps. Je suis un mec comme ça, moi. T'as pas le temps de me tirer dessus. Je te pète ta gueule avant. Allez, on récupère. Il vous faut 5 clés. Putain, je sais même pas combien j'en ai. Donc là, ça va être un peu la guerre. Bah, on va pas hésiter à utiliser ces... Allez, viens là, petit con. BAM! Mais non! BAM! BAM! Toi! Ça a mal tombé pour ta gueule, ouais! Oh tiens! Foiré! En plus, on a pas mal de vie, donc on va essayer de. Attendez, il est pas mort! Allez, on récupère tout ce qu'il y a par terre, parce qu'il y a plein plein de trucs par terre, il y en a partout. Ok, des petites potions, des petits trucs, c'est cool. C'est toujours ça. Allez, on continue dans cette... Mais quoi, ficher le camp, le mec, je viens de lui sauver la vie, il me dit ficher le camp, quoi. Sinon, t'es sympa ou... Oh, j'ai loupé. Tu regardes quoi comme ça, là, garçon ? Facile. Facile. Excuse-moi, je peux te parler ? T'as des trucs à vendre. Je veux bien voir ce que t'as à vendre. Ravi de vous servir. Bah oui, t'as intérêt, ouais. Ah, cool, ça j'aime bien. Effroi plus 100. Ah non, mais moi je veux être méchant, moi. La coupe du guerrier. Charme moins 50, effroi... Alors, je sais pas trop...
qu'il y a de... Donc moins 50, moi je veux plus d'effroi justement. Et je pense que c'est ça. Regardez, on va se prendre la côte du cheval et la moustache. Et vous allez voir après quand on ira voir le... Ah bah non, c'est bon, il l'a fait. Darkwood est un endroit dangereux, héros. On dirait un chinois. Vous allez voir que j'ai les... Attends, on va faire un petit peu de mal parce qu'on est comme ça. Excusez-moi monsieur, hein. Je suis juste un peu méchant. Histoire de... C'était quoi ce bruit? Allez, gorge de Greatwood, les amis. Allez, on est déjà à 16 minutes presque de vidéo, là. On va se dépêcher un petit peu. Les bandits ont installé un péage dans le coin. Oh, prudence. On va péter la gueule, tu vas voir, c'est prudence, moi. Hey. J'espère que vous avez l'or. Ces bandits nous tueront pour s'amuser. Ou pas. Même pas le temps de parler. Je te dégaine. Et je te mets un headshot, biatch. BAM! On cherche pas un détail, nous. On est comme ça, on paye pas, nous. C'est dès le début, on gangbang. Hop là, ton pote. Hop. Toi aussi, ça va avec. Ça va avec, j'ai dit. Tac! Ça, c'est une jolie blessure. Eh ouais, c'est une jolie blessure. Et ça aussi, c'est une jolie blessure, espèce de petit con. Hop, roulade! Bam! 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 Roulade! Parce que le mec, je lui esquive sa flèche. Et c'était même pas voulu en plus. Il a même pas le temps de me toucher. Tac, je me retourne. Bam! Bim! Et Vladadam, c'est qui le patron? C'est pas ces petites salopes de bandits là. Alors par contre, on va aller voir par là. C'est, je sais que c'est par ici. C'est pas par ici qu'il faut que j'aille. Mais je vois qu'il y a... Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Si j'arrive à faire ce que je veux faire... Attends, toi déjà. Tu dégages. Ton pote aussi. Et toi... Aussi. Le mec, il bouge pas. Il se fait tirer dessus. Il y a l'arc qui est bandé. Je voulais juste faire ça pour me faire plaisir. Regardez. Oh putain, un gros. Tu vas manger mes flèches, enculé! Oh, il est déjà mort, quoi. Oh, la puissance! Vous avez maintenant assez de renom pour utiliser l'expression pose virile. Haha, je peux faire une pose virile. Votre nouveau rang est reconnu. Reconnu, je suis même pas connu, je suis reconnu. Alors là, attention, ça rigole pas, les amis. Premier qui me fait chier, j'ai gagné 5 pièces d'or. En plus, j'ai bien fait d'aller là. Plein de coffres. Plein de coffres, plein de choses. Ouais, amélioration de flamme. C'est ça que je voulais vous parler. Alors par contre, je ne crois pas que je dois... Oh, mais c'est quoi par ici? Peut-être encore des choses par là. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Potion de volonté. Hop. Là. Hop. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Roulement de tambour. Marteau d'acier, biatch. Eh ben, c'est pas mal. On a récupéré des petites choses, les amis. J'ai bien fait de passer par là en fait. J'ai bien fait d'aller jusqu'au bout. C'est genre, j'aurais tout pété la gueule. Et j'ai vu qu'il y avait une porte démoniaque là-bas. Et en plus, c'est sur mon chemin. Alors, on va juste aller voir une chose. C'est cette amélioration que je voulais vous parler. Objet. Alors, je sais pas trop où ils ont. Ah non, j'avais dit que oui. Non, 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 mais dans l'autre épisode. Dans l'autre épisode, on en avait déjà parlé. Malheureusement, oui, c'est vrai que je n'avais pas de... Il faut aller voir le forgeron, je crois, pour pouvoir les mettre. Et j'ai complètement zappé. Donc du coup, c'est pas grave, on va continuer dans cette direction. On va faire notre petite quête et on verra ensuite. Par contre, là, je vois qu'il y a une porte démoniaque. Qu'est-ce qu'elle a voilà à me dire? Le contrat accomplit un acte. Il y a pas de problème. Très maléfique devant toi. Bah, il y a personne qui passe aussi. Est-ce que ça, c'est maléfique? Ça te va pas? Ça te va ça ou pas? Ça c'est maléfique. Un petit prout. Voilà le contrat. Non, bon d'accord, ça marche. Donc ça c'est des petites quêtes en fait qu'il faut faire. Dans Fab vous en trouvez tout le temps. Porte démoniaque vous demande de... bon, eux, ils vont pas faire les malins longtemps. C'est toi qu'on veut, t'as même pas le temps de dire ouf que je t'ai déjà buté. Qu'est-ce qu'il y a toi? Il est pas mort. Roulade pour esquiver. Voilà. Donc ce que je veux dire en fait c'est que ouais, ce qui est plutôt pas mal. Je vois par contre il y a quelque chose par ici. Il y a quoi? Porte de culisse. Ah c'est bien les portes de culisse. Ça permet de vous téléporter. Et j'étais en train de vous dire quelque chose et je m'en souviens pas. Ça faute. Tiens en plus j'ai coupé la tête. Voilà donc là au moins tac, elle est activée. C'est à dire que je pourrais revenir ici plutôt facilement.
pourrais me téléporter directement ici. Parce qu'il n'y a pas ce système de téléportation comme on peut trouver dans Fable 2 et Fable 3. Si... Oh, il se fait gangbang! Allez, on va laisser se faire gangbang par des... Mais butez-le, putain, mais... Oh, je vais laisser des quand même, parce que... C'est comme ça qu'il faut faire, maître. Alors là, je peux faire quelque... Maître, maître, j'aime ça. Alors, acheter le bassin du pudding. Merde, non, merci. Non, la coupe du guerrier. Non plus, j'ai déjà... Oh... Non, c'est pas cool, ça. Ok, qu'est-ce qu'il a à vendre, lui? Après, je leur fais la peau. Hein, c'est bien, elle est cool, ta life. Ah, il vend des vêtements, qu'est-ce que tu vends? Casque de maille, non. Gantelet de maille, non merci. Pour l'instant, non. Les fermiers se sont fait voler. Oh, c'est cool. Allez, toi, je te pète ta gueule, histoire de faire un petit peu. Hein? On raquette, nous, on est comme ça. Oui, je suis un assassin. Je raquette. Eh oui, le meilleur assassin d'Albion, fils de pute. Il devrait parler comme ça, votre personnage. Malheureusement, on peut pas. C'est ça qui est dommage. Pas les insulter, on peut pas. Ah, j'adore cette eau, elle est magnifique. 21 minutes déjà d'épisode, les amis. On va y arriver, on va y arriver. Oh, des Hobbs! Bande de salopes de Hobbs! Ils sont chiants, en plus, les Hobbs sont vraiment chiants. Dans celui-là, dans le premier, ils sont assez forts. Contrairement aux deux où c'est largement gérable, les Hobbs, je peux vous dire que dans le 1, vous allez en chier. Et le jeu, d'ailleurs, je trouve que le 1 est un petit peu beaucoup plus compliqué, même si ça se dit pas, vous m'avez bien compris, que le 2. En tout cas, je trouve. Personnellement, j'en ai beaucoup plus chié. Non, non, je vais pas y aller. Je vais pas aller dans la grotte des Hobbs. Je vais juste aller voir ce qu'a à me dire cette petite porte démoniaque. Augmente donc ton multiplicateur de con. Bah d'accord. Tu pouvais pas me demander ça avant. Allez, allons dans Darkwood, les amis. Et quand je vous dis que c'est dark jusqu'au bout. Ouais, ouais. Je vous le confirme. C'est pas un petit Darkwood, hein. C'est vraiment dark, super dark. Enfin, vous voilà! Je croyais que nous allions mourir dans cet endroit! Mais non! Nous devons nous rendre à Barrowfields, à l'autre bout de Darkwood! Ouvrez le chemin, nous suivons de près! On dirait un chinois et comme ça! Nous aurons quitté cette maudite forêt, mais ce sera! Des choses pas naturelles y rôdent! Oui, je sais ce que. Je sais ce qu'on peut trouver dans cette putain de forêt à la con. Donc, eux ils me suivent. Ce qu'on va faire, les amis. Vous trouverez la chapelle de Skorn. Ouais. Aux divinités. Et elles insuffleront le mal dans votre âme. Ouais, le mal. J'aime le mal. J'aime le mal, salope. Alors, ce qu'on va faire... bonjour. Non, non, vous allez vous arrêter. Attendez. Hein, vous allez tous bien vous arrêter, bande de salopes. Vous allez attendre ici. Pendant que je vais faire le ménage. C'est parti. Voilà. Vous voyez ce que... Qu'est-ce que c'était que ce putain de truc? Bon, venez avec moi. Je vais pas vous laisser tout seul, vous serez capable de crever. Alors venez. Venez, venez. Suivez-moi. Je suis derrière vous, suivez-moi. Alors les amis, si l'épisode dure un petit peu plus longtemps, excusez-moi, je pense pas que vous allez m'en vouloir plus que ça. Parce qu'on va essayer quand même de peut-être boucler Darkwood au moins en un épisode. Pour pas en faire deux bêtement. Quoi. Quelque chose m'a mordu et laissé pour mort. Oula, t'es amoché garçon. On ne peut pas le laisser nous suivre, ah ouais. Il est infecté, il nous mangera avant qu'on s'en rende compte. Alors pourquoi? Nous avons prêté le serment des marchands, il faut l'aider. Donc pourquoi les amis? Bonne idée. Je vous explique, en fait il s'est fait mordre par une balverine. C'est ce qu'on appelle les balverines. Je ne causerai pas d'ennui. C'est-à-dire, en fait une balverine c'est un... C'est un loup-garou en gros, hein, dans Fable. Voilà, une balverine ça vient un petit peu des... Voilà, c'est un... Voilà, c'est ça, c'est un loup-garou, et donc il s'est fait mordre, et donc les cellules, le marchand vous suivre. Non, parce que je suis un enculé. J'espère que quelqu'un pourra m'aider, ou je ne passerai pas la nuit. Ah oui, mais c'est un peu le but, garçon. Parce qu'en fait, après, il va se transformer. Donc là, normalement, je pense que je prends, voilà, du mal. J'aime le mal. Allez, on casse ce... Voilà, histoire de récupérer. Je suis pas devenu un marchand pour être dévoré par des balverines. Bah voilà, ils en ont parlé eux-mêmes des balverines. Donc ce n'est pas du spoil, les amis. Je vous explique ce que c'est une balverine. Fiole de résurrection, alléluia. Comme ça, c'est parti, on y va. Marais de Darkwood. Gna gna gna. Quelques bandits dans cette forêt, si je me souviens bien. Et bah voilà. Oui, est-ce que c'est qu'une balverine? C'est ce putain de truc dégueulasse. Et qui sait, ils sont assez rapides et assez puissantes en plus. Hein. Là, je sais même pas si. Voilà. Je dois avouer que j'ai hâte d'aller. Attention!
Si je m'en sors vivant, je me considérerai... Je vous avoue qu'elles peuvent être vraiment très puissantes si vous les bloquez pas dans un coin comme je viens de faire. Par contre, faut juste la buter. Putain, j'ai pas le temps. Ah, mais ils me font chier. Mais casse-cou, putain. Ah, excuse-moi, je t'ai tapé. Mais... Voilà. Donc le problème, c'est qu'elle appelle ses potes. Excuse-moi, je t'ai mis un petit coup. Je suis vraiment désolé. Attention, voyageurs. Seuls les plus mes gardiens peuvent mettre à l'épreuve. Passer l'épreuve et ce que je... Bon, on va accepter je le défi. Que tu es fin prêt pour oui. Les gardiens. Oh, c'est des Hobbs. Mes petits gardiens comme ça. Petits gardiens, des petites salopes. Enfin, je leur pète la gueule. Tranquillou. Normal. Je suis avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Putain, il y en a encore plein. Ah merde, ils se font taper. Ah, fils de pute. Laisse mes marchands tranquilles. C'est bon là. En plus, ça fait des... Encore un. Oh putain, il est gros lui. J'arrive. Le multiplicateur de combat, les amis, là, je l'ai gangbang. Ah, fils de pute, arrête. Rien à côté de mon dernier voyage. Oh. C'est un cauchemar. Ah, salope. Oh, ils sont encore sortis. Oh là, j'ai eu chaud là. Faut utiliser de roulade. Les amis, j'en ai mal aux doigts. Hein. Putain, ils font mal, c'est con. On y va. Oh putain, qu'il est gros celui-là. Oh putain, ils sont deux en plus. Oh, ça va être chaud. Et on va le faire. On va le faire parce qu'on est chaud et en plus ils sont trois. Ah non. Je donnerai cher. Putain, faut pas qu'il me les tue, hein. Bon, quoique, c'est pas grave. Au pire, ah, j'ai mal aux doigts, les amis. J'ai mal aux doigts. Salope! Ça me ramène dans mes années de jeune marchand. Mange mes éclairs, fils de pute! Ok. On va la jouer comme ça, parce que vous savez que j'ai un très très bon arc. POC! POC! Où êtes-vous, héros? Je me fais tuer! POC! Je suis derrière vous! POC! POC! Merde, 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 merde. On ne doit plus être très loin. On va essayer de pas cibler, comme ça au moins je peux tous les toucher en même temps. On y va. Au secours, je suis par ici. Merde. Putain, mais j'y arrive pas, les amis. Ah putain. Allez, plus qu'un. J'espère que c'est le dernier, hein, parce que là, c'est chaud bouillant. Je suis derrière vous. Ouh. Tu as éliminé mes gardiens. Ah ouais. Je suis... Ah bah, t'as l'intérêt à me laisser passer, petit con. Eh bah, je l'avais jamais faite, vous voyez, celle-ci. Les amis, donc, grosse découverte pour ma part. Par contre, mon deuxième marchand, il a pris tellement cher. Je pense que ça va être assez compliqué dans les prochains trucs. Donc, ce qui est plutôt pas mal, en fait, quand vous arrivez dans ces... porte démoniaque, c'est que vous avez un coffre. Et dans les coffres, souvent, il y a quelque chose de pas mal, quand même. Moi, pour vous récompenser de tout le mal que vous vous êtes donné. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est. Ça, malheureusement, ça va pas servir à grand-chose. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est toute une tenue volonté. Ah, ça offre qu'une protection contre la magie. Par contre, le niveau d'armure est beaucoup moins... puissant. Ah merde, je l'ai pas mise. Je voulais vous montrer quand même à quoi ça ressemblait. Vêtements, tenue, portée. Voilà. Donc, c'est quand même la classe. C'est quand même la classe. Faut dire ce qu'il y a. Regardez, je suis beau. Je suis beau, je suis swag. On dirait un vrai petit chinois. Mais par contre, bah, c'est pas très très puissant. C'est beaucoup moins puissant que mon armure en cuir. Donc, je vais remettre mon armure en cuir. Et puis, certainement qu'on la vendra. Si on s'en fout, c'est pas grave. Ça fait du. Cuir noir, tac,
Tac. Ça fait du... Comment ? Ah ! Ça fait de l'argent si je la revends. Allez, on mange une petite pomme, histoire de récupérer un petit peu de trucs. Ce qu'on va faire, parce que moi, je veux pas être emmerdé par ces deux loustiques-là qui sont un petit peu des poulets. Attendez ! On va avancer tout seul et on va les laisser ici. Ils vont pas se faire attaquer. Normalement, je connais le truc, ils vont pas se faire attaquer. Par contre, ça, c'est des mines, en fait. Ça y est, je m'en souviens. Ces trucs-là, ça pète. Voilà. Donc, il vaut mieux les détruire avant. Même si ça donne rien. On va aller les chercher. C'est bon, il n'y a plus rien. Je préfère faire ça parce que... Imaginons... Oh merde, j'avais pas vu le coffre en plus. Imaginons qu'il se plante la gueule, c'est con. Il marche sur une, il crève, surtout qu'il y en a un qui a plus de vie. Et à mon avis, ça va être assez compliqué de le garder en vie. Ouais, un joyau, super. Ça va être assez compliqué de le garder en vie, donc bon, on verra bien. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Au pire, franchement, perso, je m'en tape complètement des marchands. Hein. Suivez-moi. Et puis, si j'y arrive pas... Je suis avec vous. Oui, bah suis-moi, au lieu de faire le malin. C'est parti. Prudence, ces spores sont mortels. Mais non, il y en a plus, je les ai détruits. Lac de Darkwood, allez. Donc là, c'est là qu'on a pas mal de... Juste après la porte, voilà. Nous y trouverons des soins. Oui, nous devons attendez. Faire vite. Attendez. J'ai des putains de bandits qui arrivent. Désolé les gars, je savais que c'était une mauvaise journée. Je le savais. Allez, restez là. Moi, je vais les protéger. Restez là, restez là. Sauf si... Ok, il n'y en a pas qui arrivent. Parce que je sais qu'en fait, des fois, essayez ils peuvent... d'augmenter votre multiplication. Je sais qu'il y en a qui peuvent arriver pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Il y en a qui arrivent dans le dos. Qui vous plante votre putain de marchand à la con. Botte de cuir. Chapeau melon et botte de cuir. Restez là, restez là. Faites pas les malins. Je vais les arrêter, je vais faire le ménage. Parce que moi je suis un mec comme ça, vous voyez, je suis gentil. Bon, allez, ils vont arriver sur ma gueule. Le problème c'est qu'en fait ils veulent... Voilà, vous voyez ce qu'ils veulent faire. Ta putain, tu touches pas. Les marchands, fils de pute. Vous voyez ce qu'il veut faire et je parie qu'il va le tuer. Mais c'est... Non. Ah, il a plus de vie celui-là. Non. Putain, il l'a tué. Alors ça doit être moi. Bon bah écoute, suis-moi, ça ira plus vite. Suivez-moi. De toute façon, j'arrive. T'es plus que tout seul, ton pote il est mort. En plus, je ramasse sa thune. Allez viens. Dur de garder le moral dans ces conditions. Ah ouais, c'est dur dur, ouais, je confirme. On va essayer. Je vous garantis pas que je vais y arriver, les amis. En plus je ramasse les coffres, même s'il se fait charger, je m'en fous. On récupère les coffres, on récupère les trucs, s'il se fait buter, il se fait buter. Tant pis pour lui. Ils avaient pas qu'à passer par ici. Allez. Où sont les prochains? Je sais que ça va me charger sur la gueule dans pas longtemps. Oh, c'est quoi cette porte? Oui, tiens, c'est là. T'as même pas le temps. J'arrive. C'est ça le truc là? C'est quoi ça? Dur de garder le moral dans ces conditions. Oh. À l'aide. Allez, au moins un qui survit, ça serait cool. Allez, suis-moi. Il est presque arrivé au bout. Oh putain, il y a un coffre. Grouille-toi l'anus. Je suis jamais allé... Ah putain, il faut 15 clés, j'en ai pas. J'ai pas Clark's clé. Ah, on y va. Camp de Darkwood. Donc là, à mon avis, il doit avoir pas mal de... Petits hommes. Ah non, le camp, il est excellent, cool, le camp. Excellent, voici le premier camp. Arrêtons-nous un peu avant de reprendre la route. Ça marche. Qu'est-ce qu'il a nous vendre? Mongo, salut Mongo. Ouais bah, fais pas le malin parce que tu vois, c'est moi qui ai te cassé. Donc, eh bah écoutez, on va en profiter pour mettre un truc. Vous allez voir. Alors. Je sais plus comment on fait, c'est un problème. Alors, katana de fer, non, c'est plus pourri. Bon, il a rien du tout, lui, donc... Darkwood est un endroit dangereux, héros. D'accord, c'est cool.
Ensuite, lui, Ruben. Ah, mais tu m'énerves. Oh, lui, il sert à rien. On va racheter. Merde, on va racheter des potions. Ça, il sert qu'à ça. Mais je suis sûr que nous nous reverrons. Fiole de résurrection. Gordon, qu'est-ce que t'as à vendre, Gordon? Des vêtements. Alors. Ouais, enfin, rien d'exceptionnel. Gordon, coup de paille. Quoi. Ouais, c'est cool. Oh merde, encore fait, je l'ai pas vu. Hache d'acier, super. On va pouvoir vendre tout ça. Là, on avance. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il n'y a que dalle, à part un chemin par lequel il faut pas aller. Donc pas besoin de se prendre la touffe. Allez, on avance. On avance avec lui, hein, parce que ça va vite me casser les couilles sinon. Donc là, encore un petit peu de nos chers amis, les bambans, les Didi, les bandits. Ou pas. Ah. Allez, toi. Wow, wow, le mec. Ah ouais. Je suis derrière vous. Je vous dis qu'ils sont chauds. Ce jeu est vraiment, vraiment pas évident, les amis. Je vous promets, hein, c'est pas une connerie. Il était chaud bouillant, celui-là. C'est un des chefs, ça. Ah, j'ai cru qu'il y avait un autre mec avec nous. Par ici. Bon, on va essayer de les faire un petit peu à l'arc. Allez, ça c'est fait. Allez, qu'ils aient pas le temps d'approcher. Oh, fils de pute! Allez, roulade, 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 roulade. Ah merde, putain, il a été rapide. Désolé les gars. Et lui, en tout cas, je lui ai mis un bon headshot, hein, de loin, sans le voir. Ouais, c'est bien, t'es derrière moi, elle est cool ta life. Oh putain, des Hobbs, les amis. Ça, c'est un Hobbs qui bug. On voit juste le haut de son. Donc, regardez ce qu'on va faire. De garder le moral dans ces conditions. Eh ben, mon arc, il est bien puissant. Il va falloir juste qu'il arrive à décocher les flèches un petit peu plus rapidement, mon cher ami. Et puis, ça sera parfait. On va y arriver, les amis. Barrage de Greatwood, de Darkwood. Je crois qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin et vous allez voir la fin. Petit boss. Petit boss de fin. Plutôt sympa. Vous allez voir. J'ai marché dans un truc mouillé. Nous y sommes presque. On va pas chercher s'il y a des trucs ou pas. On avance. Voilà. C'est là. Petit boss de fin. Bien sympa. Un petit troll de terre. Si je dis pas de bêtises. Ferme ta gueule. Parce que tu vas te mettre tellement de trucs dans la gueule. Tu vas pas faire le malin. Aïe. Allez. On va essayer de se le faire. Que bon, je fais pas mal de dégâts avec mon arc, surtout s'il est à fond. Ah, fils de pute! Alors, on peut pas s'approcher de lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous sort des trucs à la con là. Il vous sort des pics. Waouh, waouh, waouh! Ah, putain! Allez, on mange une petite pomme. Mange une petite pomme comme ça. Hop, petite pomme, petite pomme. Allez, c'est bien, ça augmente l'adresse. Arrête de rôter là, espèce de gros dégueulasse. Aïe! Oh putain, bien joué, bien joué. Il a bien anticipé. Allez, on l'a bientôt, les amis. Dernier petit coup. Eh oui, monsieur! Alors tu fais moins le malin. Alors là par contre il va donner beaucoup de choses. Beaucoup beaucoup de choses. Bam bam bam. Presque 1000. Et en plus un rubis.
Super. Et ben on est arrivé, je crois que les amis, c'était le dernier Barrowfield. Voilà, donc sur ce les amis, sur ce temps de chargement, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, et on s'arrête ici. Salut les amis.